et c'est pour moi les plus belles Salomon de tous les temps, les gars. Je suis contrôleur technique automobile et je fous tout le temps mes mains dans les moteurs. Il y en a une, j'aime beaucoup. L'autre, j'aime pas trop, les gars. Bah, attendez, laissez-moi réfléchir, là. Et c'est... Et on se retrouve aujourd'hui pour un de mes plus gros unboxings de la chaîne, les gars. C'est une dinguerie, tous les cartons qui se cachent derrière moi. C'est tout simplement mes derniers achats là que j'ai effectués pendant l'été, que j'ai pas eu le temps d'unboxer parce que t'as capté, il y avait les vacances, tout ça, tout ça. Et voilà, pour bien préparer la rentrée, se faire le plus beau possible. Et reste bien jusqu'à la fin parce que là, le dernier carton de Nike, si il me déçoit, si je suis pas dans la capacité de vous recommander cette paire, j'arrête, je ne clique plus chez Nike et Jordan parce que c'est bon, trop c'est trop. Maedas, mon frérot, t'as gagné la Air Max 95, elle est tout là-haut dans le studio, tu ne m'as pas répondu, donc je te laisse une dernière chance de me DM. Et pour les autres, les gars, il y a le carton V-Style à gagner, 300€ de sape à l'intérieur. V-Style, c'est des gros scammers. Bah, de toute façon, on peut plus acheter chez eux, ils ont fermé page Insta et site et tout, mais ça, c'est pour vous. Pour participer, c'est très simple. Votre meilleur like, votre meilleur abonnement, on active la cloche et dans les commentaires, vous me dites qu'est-ce que vous avez acheté récemment ou pendant les vacances. Tirage au sort parmi les commentaires. Bonne chance à tous, les refs. Et si Maedas ne me répond pas, les gars, ne vous inquiétez pas. Je la refais gagner là dans les commentaires et du coup, il y aura deux gagnants. Petit code promo sur mon site internet YouTube 10, les gars, c'est pour vous qui me suivez ici sur la chaîne. Donc si jamais quelque chose vous plaît, n'hésitez pas à cliquer, on envoie tout le jour même ou le lendemain au plus tard directement dans votre boîte aux lettres via la poste. Et voilà, moi je vais pas vous mentir, ça me soutient de ouf. Et on commence, les gars, cet unboxing de zinzin. Voilà, j'ai la paire qui veut directement sortir de sa boîte, les gars. Avec là, les paires de Flower Instinct, les gars. Franchement, j'ai pas pu m'empêcher de cliquer ça. Même si c'est vrai, c'est un petit peu cher. 220€ le Made in Portugal. Ça fait mal, ça fait toujours un peu mal quand tu les sors. Et j'adore leur concept et leur DA. En plus des packaging vraiment incroyables, style boîte de céréales. Et donc Flower Instinct va nous dénoncer une addiction à travers chaque paire de sneakers. Et pour ce pack de deux, c'était le sucre. Et du coup là, on a la Green Stachio, les gars, la glace crème à la pistache, les gars. Alors c'est vrai que le vert là, il fait pas très pistache, tu vois, il est un peu trop foncé à mon goût. Cette shape de Louis Vuitton skate shoes, les gars, évidemment que l'inspiration est tout trouvé et clairement assumé. La qualité du mesh est cool. Pareil, les empiècements en daim superposés. La fleur en guise de souche sur l'empiècement central. En caoutchouc brodé au niveau du talon, on aura le logo Fleur Flower Instinct. Et pareil sur le dessus de cette énorme languette. J'ai pris ma taille en 44,5. Et si je devais faire un petit reproche, ça serait au niveau de la midsole et de la outsole translucide, que je trouve un peu trop basique, simple et pas assez travaillé. Mais voilà, vendu avec, on aura les lacets fluffy, tout doux comme ceci, vert, délavé, et ça ressort grave bien. Alors sur celle-ci, je les ai pas mis parce que je trouve que les lacets crème plat, ben ça le fait grave. Mais sur la Raps Blueberry, les gars, la myrtille, les gars, donc je les ai mis justement les lacets pour tester et vous montrer. Et là, je sais, ça va pas plaire à tout le monde, mais le délire est là, le fun aussi, et franchement, les gars, incroyable, incroyable. Et les lacets tout doux, fluffy, comme ça, on dirait un petit peu, ben, clairement peluché. Et voilà, ben, c'est tendance, c'est mode, c'est fun. Et ce bleu grisâtre, moi, je le trouve vraiment magnifique. Et une fois porté, ben, ma foi, je me sens plutôt bien à l'intérieur. C'est très lâche, très évasé. Tu sais, c'est vraiment une skate shoes, quoi. Et le flow, ben, franchement, il est là, hein, les gars. Moi, j'adore. T'as juste à mettre chaussettes blanches, pardon, un short, et c'est parti dans la
la street. Donc personnellement, hein, c'est carrément validé. Et si vous êtes comme moi, que vous en avez un petit peu marre des classiques Nike, Jordan, Adidas, ben go tester les marques indépendantes et voir si ça vous correspond ou non. Mais voilà, si vous voulez vraiment vous différencier et pas faire comme tout le monde, je pense que c'est une très bonne alternative. Et là les gars, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas parlé de Salomon en collaboration avec Arthur Carr, l'art de l'automobile les gars. Et c'est pour moi les plus belles Salomon de tous les temps les gars, et je pèse mes mots. Alors on a les boîtes bleues et grises, ok, pourquoi pas. On va commencer par la moins populaire les gars, on garde la plus belle pour tout à l'heure. Et là ça sera la Speed Cross 3 les gars, un modèle très running, randonnée, montagnarde, vous voyez ce que je veux dire. Et oh là 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 là, incroyable, incroyable les gars, je découvre vraiment ça en même temps que vous. La qualité du mesh, ce colorway complètement dingue. Bien sûr que les crampons sont sous la semelle et vont venir accrocher la roche avec le petit zip là au niveau des lacets et les lacets bien fins style trail running. Le Salomon sur le côté de la paire est bien présent et de l'autre côté on aura le jeu de mots entre car et racing. Ok, ça c'est fait. Et pour la deuxième paire de cette collaboration, ça sera un autre modèle emblématique, la XT4 les gars. Et c'est ma première XT4 de tous les temps et c'est déjà la plus belle les gars. Mais c'est quoi cette masterclass incroyable avec toujours les inscriptions dorées, Car Racing, Salomon sur le côté. Et là l'originalité, ça va être le tribal bleu derrière les empiècements en plastique rouge qui font référence à la Porsche Mobile 1, qui est une voiture absolument mythique et pionnier dans l'élément de course d'endurance style 24 heures du Mans. Et c'est de là que s'inspire les colorways et cette collab avec Salomon et l'art de l'automobile. Prix magasin de cette XT4, c'était 195 € et aujourd'hui ça se revend à plus de 300 les gars. Elle a vraiment explosé et à mon sens c'est mérité. Et une fois qu'on la passe au pied, la magie opère. J'adore le look bien énervé, bien randonné racing les gars. Tous les deux univers se mélangent à la perfection je trouve. Après c'est vrai que la Speed Cross 3 elle risque de ne pas plaire à tout le monde au vu de sa shape un petit peu particulière et marquée trop course de piste, tu vois ce que je veux dire. Donc à porter au quotidien, c'est vrai que là ça peut faire un peu bizarre. Pour en revenir à la XT4 les gars, je suis obligé de vous la recommander. Je suis fou amoureux de cette paire, désolé les gars, mais je suis convaincu que si vous l'achetez pas maintenant, dans quelques années elle va valoir la blinde et vous allez le regretter. Donc tant pis, c'est 300 balles, mais c'est pas 300 balles de perdu, j'en suis convaincu hein. Et là, c'est Makey Chen qui m'a envoyé sa dernière collection Star and Flowers, les gars. C'est une masterclass, un carton absolu à travers la France, les gars. Et c'est mérité. En plus, là, sur leur site, c'est un acheté, un offert, que ça soit au niveau des colliers, bagues et bracelets. Alors, c'est vrai que je suis pas très bague, les gars, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est dû tout simplement à mon métier. Je suis contrôleur technique automobile et je fous tout le temps mes mains dans les moteurs. Et voilà, il y a des courroies de distribution, il y a des batteries et tout, et j'ai peur à chaque fois de me faire attraper un doigt par une bague ou que de recevoir de l'électricité et tout. Il y a eu plein d'histoires à cause de ça, donc c'est pour ça que j'évite bracelets et bagues à cause de ça tout simplement. Mais là les gars, c'est beaucoup trop beau. Là ils m'en ont envoyé une en acier doré, mais vraiment magnifique, regardez moi ça. Et ici en argent avec le logo Make It Chain les gars, mais j'adore, c'est une vraie masterclass. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. Et ok, donc là c'est la collection Stars and Flowers avec le bracelet couleur or avec les pierres vertes. Donc là c'est un peu trop pour moi, c'est un peu trop flashy, c'est pour ça que je suis parti sur du blanc chromé brillant avec les pierres blanches. Et j'adore, combo bracelet plus collier les gars, ça c'est une masterclass très clairement. Et pour mes gars qui assument et qui ont
envie d'être un petit peu tape à l'œil du genre comme moi, tu vois, tu rajoutes collier de perles roses avec les bijoux, les strass dorés et les diamants à poser dessus, franchement magnifique. Et dans ce coffret les gars, on a les t-shirts Make It Chain que je trouvais fou sur le site et le shooting Instagram qui nous avait proposé. Je leur ai dit les gars, faut que je teste ça, faut qu'on en parle, ça a l'air d'être une vraie masterclass. Théma, ce t-shirt rose, je l'ai pris en taille L ici. T'as le papier de soie pour protéger, l'inscription Make It Chain dans le dos, c'est grave bien printé, blanc, ça ressort parfaitement bien pour l'été. Et là on va retrouver la même chose, si je dis pas de bêtises, dans un coloris vert kaki. Waouh les gars, il est magnifique, taille L toujours, les inscriptions blanches au niveau du torse et dans le dos, simple, efficace, mais quel banger. Donc les gars, foncez, vous avez le lien dans les commentaires, dans la description. Et là, voilà le symbole de ma Matrix, Jordan et Nike, les gars, j'en peux plus, il faut que je me libère de cette matrice, les gars. Et ouais, j'ai acheté les sables, j'ai acheté la paire de chaussures, je me suis ruiné, j'ai envoyé 300 balles là-dedans. Et on est avec quoi? On est avec l'artiste Nina Chanel, une artiste peintre contemporaine américaine qui avait déjà travaillé avec Jordan et qui nous avait massacré la Jordan 2. Alors certains essayent de lui arranger la sauce et tout, non, y a rien à arranger, les paires sont tout simplement affreuses, mais là j'avoue qu'elle avait quand même bien réussi à me hyper. Il y avait un stock très limité de 2800 paires uniquement prévues pour l'Europe, donc c'était impossible à choper. Et le packaging est cool avec le 23, le numéro de Michael Jordan et le Jumpman revisité à sa sauce, ok pourquoi pas. Le papier lui aussi hein, plutôt cool, toujours dans son univers à elle. Donc c'est vrai qu'elle a des principes et elle s'y tient, ça on pourra pas lui enlever. Et là on arrive sur cette Jordan 3 Nina Chanel, paire de lacets orange les gars, parce qu'il va y avoir de la sape. On va essayer de faire un look avec le merch qui était vendu avec. Les lacets ronds, beige, crème, déjà ils sont pas mal, ça change. On n'a pas l'habitude de les voir sur nos paires de Jordan habituellement. Et même chose hein, pour la qualité de la toile, franchement j'ai rien à dire. Pareil au niveau de ce daim légèrement peluché sur le haut du talon. Pareil, les empiècements ici, là, derrière les lacets, le renfort de la toe box et à l'arrière au niveau du talon. Le Jumpman revisité de Nina Chanel est bien brodé sur la languette. Cette languette qui est en toile sur le dessus, mousse à l'intérieur et cuir ici dans, au niveau de la doublure avec l'inscription Nina orange. Mais pour moi tout va se passer à l'arrière au niveau du heel tab avec le Nike Air et le mini souche dans un style moquette brodé à l'arrière au niveau du talon avec l'étiquette Jumpman orange. Donc là elle a fait fort, elle nous a hypé hein, grâce à ce logo, grâce à ses empiècements au niveau du heel tab, on peut se le dire. Le confort est bon mais faut bien desserrer les lacets parce que sinon cette Jordan 3 va te serrer et te compresser le pied, mais sinon ça va, c'est pas trop mal. Pareil, les empiècements en cuir autour, on peut se le dire les gars, la paire est pète. Moi je kiffe le rendu porté, esthétiquement le flow est là, on peut pas le nier. Pour le total look, c'est raté du coup ouais, parce que là on a du noir, le pull il est orange, la paire elle est verte. J'ai fait n'importe quoi les gars, je sais pas m'habiller, c'est comme ça. Mais voilà, j'attends quand même vos retours là-dessus dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? La paire, elle est pas mal. Ça peut devenir un truc assez hype, assez rare dans l'univers de la sneaker. Parce que vraiment elle est cool cette Jordan 3. Elle s'est bien rattrapée de sa dernière collab avec Jordan.
nouvelle vidéo, mais surtout la dernière vidéo de Rapid Screw. Et là les gars, c'est les frérots du Rapid Screw qui m'ont envoyé leur dernière création sneaker. Alors c'est des modèles revisités de Jordan 1 Origami. Je sais pas si elles étaient oui ou non déjà sorties, parce que j'avoue, ça va être mes premières Origami. Il y en a une, j'aime beaucoup, l'autre j'aime pas trop les gars, mais là va falloir être honnête. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un packaging vraiment incroyable avec là une petite fleur dorée, ce packaging noir avec la mention Air Origami et ici le logo Air Jordan revisité style Origami. Franchement c'est fort, la DA nippon japonaise est en place, j'ai envie de dire. Ça s'ouvre en coffret. Ok, franchement c'est stylé. Pareil, le papier plastifié avec le kanji transparent sur fond rouge. Ici on a le papier. Ah, j'ai la haine les gars. Les lacets ne sont pas faits. Ici on a l'embauchoir et on n'a pas la semelle intérieure en gel. Elle est à côté, plastifiée comme ceci. Et ça c'est une masterclass. Alors moi j'aime bien que tout soit prêt quand j'unboxe là, ça me fait perdre du temps pour ma vidéo les gars. Et vendu avec, ils nous ont mis une paire de lacets noirs supplémentaires, mais vas-y, ça allait faire beaucoup trop sombre pour moi. Donc à mon sens c'est les blancs crème obligatoires. En plus il fait beau, c'est encore l'été les gars, et ça va faire un petit rappel avec la midsole, outsole noire complètement revisitée. Ça c'est fou, ça c'est dingue, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est fort. Après, la qualité de ce cuir blanc, on va pas en faire tout un chichi, voilà, il est passable. Par contre les empiècements en daim lisse, ils sont vraiment remarquables. Ça là j'ai rien à dire. Peut-être le logo pressé au niveau du talon un peu plus prononcé, parce que là c'est à peine si on le devine. Les kanji japonais noir sur fond blanc à l'intérieur de la paire. Et côté extérieur, on va du coup retrouver ce souche en cuir style origami, papier replié sur lui-même, avec une agrafe à l'avant et à l'arrière. On aura une broderie pour le maintenir. Détail très original aussi, ça va être les empiècements en cuir en daim qui vont déborder sur la toe box de manière irrégulière. Ça, c'est fort. Ça doit être une tanasse à produire et à se faire comprendre aux yeux d'une usine. Sinon, de manière générale, c'est une Jordan 1 low et j'en peux plus. J'en ai marre de ce modèle. Alors oui, je clique quand c'est Travis et tout, mais j'en peux plus. Et en plus là, on est sur un coloris blanc et noir panda, et je dois pas être le seul en plus de ça à ne pas valider totalement ce modèle, parce qu'il est encore disponible sur leur site internet à 214 €, comparé à la deuxième les gars. Je pense que celle-ci va me hyper un peu plus. Incroyable, magnifique, ce jaune moutarde sur ce cuir blanc avec les lacets crème, languette crème. J'ai oublié de dire que ici brodé, on va avoir les kanji et un fil rouge sur cette languette en mousse. Voilà, ça va continuer de rajouter du détail. Là aussi deux paires de lacets. J'ai pas réussi à me décider quand j'ai voulu les mettre, parce que là ça ressort grave bien, que ça soit les noirs avec la doublure noire et la outsole. Mais peut-être que pour l'été du coup c'est mieux avec les lacets crème, ou alors t'es comme moi, team dépareillé, un lacet blanc et un lacet noir de l'autre côté. Magnifique, une fois qu'on la passe au pied et grâce aux semelles gel, le confort est exceptionnel les gars. C'est, je me suis jamais aussi bien senti dans une Jordan 1, parce qu'on le sait, le confort du Jordan 1 c'est éclaté. La shape et l'esprit de la paire, bon ben ça reste une Jordan 1 low les gars, y a rien à faire, c'est comme ça. Tu peux la revisiter comme tu veux, tant que tu veux. Voilà, portée pour moi un petit peu de loin, ça reste une paire de Nike tout de même. Magnifique, force à vous les mecs, vous avez tué ça. Mais voilà, la coloris panda, la prochaine fois on évite s'il vous plaît. Et là...
là les gars, c'est la paire de Nike. Est-ce que je suis puni à vie? Et Nike et Jordan, c'est terminé pour moi. Et j'ai cliqué, je voulais une nouvelle paire pour moi, pour porter un petit peu au travail, un petit peu au quotidien, tu vois, parce que j'en avais marre là de mon Air Force One, j'arrive pas à la remplacer malheureusement. Et donc voilà, 160€. Un carton, une boîte rouge de Nike. Voilà, tu te dis, purée, j'ai le seum, tu vois. Parce qu'on est habitué à avoir un certain packaging, une paire un petit peu rare et tout. Et donc, j'ai cliqué ça à ma taille, en 44,5. Et ce qu'il faut savoir, je vous le dis direct, c'est une paire pour meuf. Elle est pour femme. Avant de la découvrir, vérifie bien que t'es posé ton meilleur like, mon frérot. Ça me soutient de zinzin. Surtout, si je ne dois plus parler de Nike, autant vous dire que la chaîne va fouler les gars, et voilà, allez c'est parti, j'arrête les gars. Alors qu'est-ce que c'est? Oh 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 les gars, qu'est-ce que c'est cette Vomero 5? Elle a l'air plus balèze que ce que j'avais imaginé. Ça va, je sais pas. Attendez, laissez-moi réfléchir là. Et c'est vrai que les différents empiècements, notamment les chromés avec cette toile et ce mèche quadrillé sur le dessus, pareil le souche métallique, va falloir voir à l'usage s'il est pas rayé, s'il tient bien, si on va pas avoir des morceaux qui se décrochent. C'est ça qui moi me fait un petit peu peur. Une fois que je l'ai mise au pied, les gars, franchement, elle pète, je vous jure, elle pète. C'est une paire qui a restock en fait récemment sur l'application de Nike. Pour moi, c'est pas du tout une paire pour femme. Elle se porte très bien pour un homme. Dès que ça brille, les gars, vous le savez, je suis là. Et oui, je vais l'imperméabiliser et ensuite je vais la porter au travail, ici au studio. Et ça va être ma nouvelle paire de tous les jours, les gars. Si vous kiffez, foncez, je vous la recommande. Je ne suis pas puni d'achat chez Nike, les gars. Dites-moi dans les commentaires quel est votre dernier achat sneaker. Ça m'intéresse de zinzin. Bonne chance à tous pour les différents lots. Et on se capte sans faute dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de zinzin. Ciao les refs.